tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques exercices qui vous permettront à faire des déplacements sur les manches de votre basse. On appelle également les démanchés. Voilà, ce sont des exercices très simples qui permettront de faire des déplacements sur les manches. On appelle également les démanchés. C'est très simple, ce sont des exercices basiques qui on a déjà eu à faire, que tout le monde connaît, mais on va les faire un peu différemment. Voilà, ce sont les exercices, les délétères, les 1, 2, 3, 4. Comme cela, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va les jouer en faisant des mouvements du haut vers le bas de notre manche. Voilà, on fait 1, 2, 3, 4. Je saute la première case, je descends. C'est la deuxième case, corde là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, corde mi, troisième case, corde sol, quatrième case, je vais encore cinquième case, je vais sixième case, septième case, huitième case, neuvième, dixième, je monte onzième, 12e, 13e, et après je reviens 12e, 11e, 10e, 9e. C'est les doigts, les premiers doigts qui changent de position ou qui changent de case. Je viens, je joue la deuxième case avec la troisième corde. Je fais 1, 2, 3, 4. Les mêmes doigts. Je fais la troisième case. 1, 2, 3, 4. Même doigt. Je fais la cinquième case. Même doigt. Je fais la cinquième case avec les cordes de ré. Je viens ici, donc je fais 1, 2, 3, 4. Les mêmes doigts, il vient faire la cinquième case. Les mêmes doigts, faire la sixième case. Et les mêmes doigts qui revient sur la douzième case, il fait la onzième. Voilà. Et les 1, 2, 4, 3. C'est-à-dire 1, 2, 4 et puis 3. Je fais les mêmes doigts. Je fais. Ce sont des exercices très efficaces que personnellement moi j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Ça permet de créer l'indépendance entre les doigts et de mieux connaître les manches de votre basse. Thank you.
Et on fait les 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, et puis 2. 1, 3, 4, et puis 2. Donc, 1, 3, 4, et 2. 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 On se limite à la 13e case, corde et mi. Et puis on reprend avec les 12e case. Jusqu'à la première case. 1, 3, 2, et puis 4. 1, 3, 2, et puis 4. 1, 3, 2, et 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, et puis 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Voilà. Et on fait 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Et à la fin, pour finir, on fait 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Thank you.